présentation du patch note de saison 7 en 2 minutes. La réduction des dégâts du blindage d'Orisa est réduite de 50 à 45%. Le temps de réduction de la forme Némésis de Ramattra est réduit de 8 à 7 secondes. Le nombre de tirs minimum pour que la dispersion soit à son maximum sur l'arme de Bulldozer est augmenté de 20 à 30. Les points de vie de la bulle générée sur les alliés de Zarya sont réduits de 225 à 200 et sa taille est réduite de 15%. La réduction des dégâts de la roulade de Cassidy est augmentée de 50 à 75%. Les dégâts de l'arme de Mei sont augmentés de 70 à 100 dégâts par seconde et la réduction de la vitesse n'est plus progressive et est fixée à 40%. Le passif de Mei est supprimé. La cadence de tir de Torbjörn est augmentée de 0,48 à 0,51 par tir. Les PV temporaires de la surcharge sont réduits de 100 à 75. Les dégâts par balle de l'arme de son bras sont augmentés de 7,5 à 8. La dispersion minimale est réduite de 0,5 à 0. Les tirs nécessaires pour atteindre la dispersion maximale sont augmentés de 3 à 6. Et le temps de rechargement est réduit de 1,4 à 1,2 secondes. Le délai de piratage est réduit de 0,75 à 0,65 secondes. La furtivité se désactive lors du piratage et le temps de recharge est augmenté de 4 à 6 secondes. Le temps de recharge passe à 3 secondes si le piratage est interrompu ou si une entité haute qu'un héros est hackée. Les joueurs piratés ne pourront voir le message piraté que pendant le silence du piratage. Le passif opportuniste est supprimé. Furtivité devient un passif et s'active au bout de 3,5 secondes après ne pas avoir utilisé son arme ou une compétence pouvant infliger des dégâts, et si son bras n'a pas été blessé. La vitesse est réduite de 60 à 45%. La durée de disparition est réduite de 0,375 à 0,25 secondes. La durée d'apparition est réduite de 0,5 à 0,375 secondes. Virus est la nouvelle compétence qui tire un projectile qui inflige 10 dégâts d'impact ou 20 si la cible est piratée, puis 100 dégâts en 4 secondes ou 2 secondes si la cible est piratée. Le transducteur téléporte désormais automatiquement son bras 0,25 secondes. Après l'avoir lancé ou lors d'un impact avec le décor. Le temps de recharge de furtivité est réduit après la téléportation. La vitesse du projectile est augmentée de 25 à 72, le temps de recharge est réduit de 6 à 5 secondes et le temps commence à diminuer lorsque son bras s'est téléporté. La courbe verticale du projectile est supprimée. Le coût de l'IEM est augmenté de 15%. Les dégâts infligés sont baissés de 40 à 30% des PV actuels des cibles touchées. Les dégâts du fléau cinglant de Brigitte sont augmentés de 70 à 80. Les soins du fusil solaire d'Hilary sont réduits de 120 à 105 par seconde. La nouvelle carte Samoa est disponible.